La nouvelle loi sur les armes cite légifrance. Public concerné détenteurs légaux d'armes, notamment les tireurs sportifs, armuriers, professionnels procédant à la fabrication, au commerce, à l'intermédiation des armes. Inter quoi? Intermédiation. Toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériel de guerre, armes et munitions. Des munitions et et aussi de leurs éléments. J'en reviens au public concerné fédérations et associations sportives agréées pour la pratique du tir, organismes de formation dans le domaine des armes, public susceptible d'accéder à ces formations, services centraux et déconcentrés de l'État, forces de sécurité intérieure. Ça veut dire quoi tout ça exactement Tous les milieux cités sont concernés par cette loi. Ok, on rentre vraiment dans le sujet maintenant. Accroche-toi et écoute bien. Il y a trois grands thèmes. Le décret précise les activités pouvant être exercées sans disposer d'agrément d'armurier ou sans avoir à justifier de l'intégralité des compétences professionnelles nécessaires jusqu'alors pour obtenir un tel agrément et crée différents certificats de qualification professionnelle correspondants. Il énumère également les formations d'armurier dont l'accès est subordonné à autorisation préalable, ainsi que les conditions de délivrance de cette autorisation. Il procède par ailleurs au classement des armes incapacitantes qui projettent un dispositif d'immobilisation mécanique ainsi qu'au surclassement de certaines munitions à poudre noire. Il prévoit une simplification des quotas d'armes et de munitions applicables aux tireurs sportifs et aux associations membres de la Fédération française de tir. Il ouvre la possibilité aux fédérations sportives de céder, dans le cadre de leurs installations, des munitions dans les mêmes conditions que les associations qui y sont affiliées des dispositions relatives à la prise en compte, dans les quotas des tireurs sportifs et des clubs de tir sportifs, des carcasses et des boîtes inférieures de boîtes de culasse, quelle que soit leur date d'acquisition, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2023, des autres dispositions relatives aux quotas d'armes et de munitions des tireurs sportifs et des clubs de tir sportifs, qui entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'Intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024, des dispositions relatives aux nouvelles autorisations d'entrée en formation d'armurier ainsi qu'aux agréments d'armurier, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Notice ⁇ Le décret est notamment pris en application des dispositions prévues par les articles L312A3, L313A1, L313A2 et L317A1 du Code de la sécurité intérieure, introduits par les articles 19, 21, 22 et 23 de la loi numéro 2022 à 52 du 24 janvier 2022 relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Référence. Le décret et les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance, https://www.légifrance.gouv.fr. Ok. Je suis sûr que t'as pas tout compris. Mais si tu es en catégorie D, sache que tu ne peux plus acquérir des munitions à poudre noire de fabrication moderne. Elles sont à partir du 1er septembre en catégorie B. Oui, tu as bien compris catégorie B. Pour détention d'armes ou de munitions de catégorie B, les poursites sont très dissuasies. C'est pourquoi tu peux toujours acheter des munitions d'époque ou de manipulation ou même des munitions neutralisées.